Je vais tout voir avec nos stambrakata du 237. Franchement, non, mais vous abusez. Vous partez au deuil de quelqu'un pour vous faire voir. Vous partez au deuil des gens pour être les stars, même au deuil, maman. Je comprends maintenant tous les posts que les gens ne font qu'accumuler sur Internet. Voici la seule personne qui est partie. Bon, il y a quand même quelques personnes, mais qu'on a remarqué que, avec Chelsea Suzy, oui, qu'elle aussi partie au deuil, là, qu'elle savait qu'elle partait au deuil. Vous mettez non seulement les kilos de maquillage, c'est-à-dire que les seaux, vous avez tapé la tête dans la peinture comme blabla. Après, vous venez faire semblant de pleurer. Non seulement ça. Vous partez sortir vos grosses voitures. Vous venez tout le monde assis. Même les autorités sont assis. Les représentants des ministres, les représentants des gouverneurs sont assis. Qu'ils ont garé loin là-bas. Marcher comme des êtres humains normaux qui savent que demain ou après-demain, ce sera à mon tour de passer à la caisse, de descendre 6 pieds sous terre. Vous venez garer les voitures devant eux. Pour qu'on vous ouvre la portière. Vous faites ça le matin, on ne dit rien. Vous voulez encore faire ça le soir. Même si vous n'avez pas le respect pour vos propres personnes, respectez au moins les autorités, respectez au moins le corps qui est couché. Vous voulez prouver quoi? Hein? Vous êtes star plus que qui? Vous êtes star plus que qui? C'est tellement brave sur le monde, elle dit que oh, filtrata, pruvata. Le tout, ce n'est pas moins brave. On est là, on dit que, oh, humilité et tout et tout. Ça, vous n'avez vraiment pas fait preuve d'humilité. Pas fait preuve d'intelligence, au contraire. Imaginez que ce soit vos parents et que quelqu'un vienne pour faire ça. Ou bien, est-ce que si ce sont vos parents, vous ferez la même chose? Est-ce que vous viendrez vouloir faire le prouvata comme ça, là? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes des stars dans vos têtes. Ou alors peut-être que vous êtes même les stars que vous pensez être là. Mais ayez un peu de retenue, ayez de la retenue. Calmez-vous, les gars. Non. Franchement, comme vous avez fait là, vous croyez que ceux qui étaient là-bas n'avaient pas de voiture. Ceux qui étaient là-bas avaient les voitures. Les voitures que vous avez garées là appartenaient aux gens. Et aux gens qui étaient aussi là-bas. Donc, vous croyez que vous allez venir montrer vos voitures, là, on va vous voir. Et après quoi? Bracata.